Hey, bonsoir tout le monde, c'est Picty et bienvenue pour ce 18e épisode sur Dark Souls 2. Salut, c'est Alphonse. Et donc, comme vous pouvez directement le constater, j'ai un nouveau look. J'ai fait quelques trucs en off. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en off? Je suis retourné dans les zones où j'avais oublié des trucs. La zone des pirates où j'ai récupéré une fiole d'Estus. Un fragment de fiole. La zone. Attendez, je suis retourné dans quelle zone? Je suis retourné dans cette zone, la forteresse oubliée. Où j'ai d'ailleurs libéré le PNJ qui vend des trucs de boss, qui vend des armes de boss et des sorts contre les âmes des boss. J'ai récupéré aussi des babioles et les passages secrets que vous m'avez indiqué dans les commentaires. Dans les quêtes de désolation aussi, j'y suis allé pour récupérer des items. Ici aussi, j'ai été récupérer l'item qui était là où il y a le pont, en bas du pont suspendu. Et à part ça, bah, je crois que c'est bon. Quoi d'autre? Eh bien, j'ai un petit peu farmé les âmes en refaisant les zones. Hein. Donc, je me suis mis plus de mémoire, comme ça j'ai 4 emplacements de sorts constants, j'ai pris la flamme de pyromancie dans le bateau. Donc maintenant j'ai accès à la danse du feu et à la grande boule de feu. Et donc j'ai 4 lances de foot, pourquoi? Et parce que... Eh bien parce que... J'ai changé de stuff et je me suis dit tiens, je vais être bien comme ça. Et puis c'est vrai que niveau de l'équipement, regardez ces stats. De base, hein. L'armure de Vengarl, les stats de base 226. Alors que moi j'avais quoi dans le dernier épisode? Ça. 11. Le haillon de prisonnier. Non mais c'est craqué, hein. Même ça, le Aubert de Dranglake, 195, là 226. Bon, par contre, pour les augmenter, il faut de la titanite scintillante, ce qui est plutôt relou. Mais même ça, 74, ou ça, 65. Et je suis à 66%, donc c'est plutôt cool. J'ai été récupérer cet anneau. Puisque quand j'ai fait... Quand j'ai été farmer les objets et que j'ai refait les zones, j'étais avec mon pote Genjo sur TeamSpeak, qui est en train de faire le jeu. Et je lui parlais des anneaux. Qui commence le jeu, je lui ai indiqué pour l'anneau que vous m'avez vous-même indiqué dans les commentaires, l'anneau plus 1. Et j'étais voir sur Internet. Parce que je lui dis, ouais, normalement ça va jusqu'à plus 2, je crois. J'étais voir sur internet où on avait le plus 2, et donc les plus 2 souvent c'est... Bah tout le temps même c'est dans les NG+. Hein. Mais j'ai regardé un petit peu les anneaux qu'il y avait, et c'est vrai qu'il y avait ces anneaux-là. Je me souvenais que j'en avais, dans ma première partie de Dark Souls 2, je me souvenais qu'il y avait ces anneaux draconiques qui sont super ouf, quoi, parce qu'ils augmentent... nombre de PV, constitution et charge maximale, donc c'est complètement craqué, c'est l'équivalent de l'anneau de grâce... de Dark Souls 1. Et donc là j'ai le deuxième anneau draconique que m'a donné Tark, le scorpion, et je savais bien qu'il le donnait en plus. Dans les souvenirs, pour moi, il donnait ça en récompense. Sauf que lui m'a donné quoi? Il m'a donné un truc pour dépétrifier les morts vivants. Et si je retournais le voir après, cette fois il me donnait le bon. Cette fois il m'a donné l'anneau. Donc j'ai récupéré cet anneau. Du coup, je parlais de mon armure, et oui. Alors je me suis pas mis en full Vengarl parce que je crois que déjà niveau poids c'est pas possible. Et j'ai gardé la capuche de saint car la capuche de saint c'est OP shit. Car ça me permet... ça augmente le nombre d'incantations pour chaque sort. C'est pour ça que j'ai 4 lances de foutre, etc. Donc c'est plutôt OP. Et pareil, ça a l'air d'être de l'item plutôt cheaté. Donc c'est pour ça qu'il faut de la titanite scintillante aussi pour augmenter ma capuche de saint. Donc je pense que je vais garder ce stuff, peut-être jusqu'à la fin, ça m'a l'air pas mal. J'aime bien le look d'Alphonse là-dedans, je le trouve vraiment stylé. Et vraiment la classe, hein. Vraiment un putain de clair. Et donc on va continuer le DLC, enfin oui. Ah putain, j'étais impatient. J'étais impatient de le continuer ce DLC là. Ouf. Et donc on va pouvoir enchaîner les deux épisodes là-dessus. La pierre foudroyante. Alors, la tour de brume, on s'était arrêté là dans le dernier épisode. Alors, je crois qu'il y avait de la fumée pas loin, non?
Y a pas de la fumée quelque part? Alors je crois que je viens d'ici. Et par tous les chemins, j'y reviendrai. Alors là, il y a de la fumée. Alors, est-ce un boss ou pas? D'ailleurs, ma barre de vie n'est pas très très conséquente. Hein. Je suis mort plein de fois en faisant des bêtises. C'est pour ça que la première chose qu'on va faire, c'est quand même se claquer une petite humanité, parce que voilà. Voilà, la bonne tête d'Alphonse qu'on aime bien. Avec sa belle coupe au bol. Alors, on va voir cette porte, si je peux. Ne s'ouvre pas de ce côté, ok. Un coffre. Voilà. Voilà, c'est quoi ça? Ah, mais lui, il était pas mort dans le dernier épisode? J'avais pas déjà été là, non? Peut-être je me gourre. Hein. Quoi? Oh, c'est génial! Il a des bras spectrales ou fantomatiques. Il peut mettre son. Oh, c'est incroyable ça. Ça, c'est bien. Bon, on peut ouvrir ce coffre. Oh, c'est quand même super cool. Bon, attention. 3 titanites scintillantes. Oh bah là. Ah oh bah. Merci. C'est plutôt un coffre de ouf quoi. Ah d'accord. Bon c'est bien si je me fais des âmes comme ça. Bon. Apparemment on peut pas passer par là. Du coup on va aller dans la fumée. Est-ce que c'est le premier boss du DLC? On va le savoir tout de suite. Non pas du tout. Ça me semblait bizarre aussi. Bon. Cette tour de brume qui m'a l'air encore bien profonde. Nous en sommes même pas la moitié, j'irai, je ne sais pas. Alors, là, il y a les vases pour... Oulala. Oh, mais il a l'air complètement... Il a l'air complètement badass, lui, et puissant. Donc là, il y a des espèces de vases pour se mettre de l'eau. Un ascenseur, d'accord. Je vais prendre mon temps. Hein. Je découvre. Est-ce qu'on peut casser ça pour tomber et mourir? Truc qui n'a pas de sens. Alors là, une sorte d'ascenseur aussi, je dirais. Bon. Apparemment, on ne peut aller que par là. Ou alors, peut-être qu'il y a moyen de... J'ai failli me casser la gueule. Vous l'avez bien constaté. Alors. Pour le moment, là, c'est safe. Non, les hommes barils! The fuck! Je me suis fait niquer! Échelle. Je vais mourir. D'accord. Bon, je me suis fait niquer. Il y a l'homme baril qui m'a bait. Et je suis tombé dans le trou. Apparemment, d'ailleurs, l'homme baril, ça devait être un piège, parce que j'imagine que quand on est en bas, l'homme baril, il descend de la trappe et il te pète à la gueule. Bon, c'était la première mort de l'épisode. C'est pas très grave, c'est la découverte, on est là pour mourir, c'est ce qui fait plaisir. Je sais pas, non, je crois que j'ai que dalle quand même. Bon, dégage, bâtard. Cette fois, tu ne mourras pas. Il y a un homme baril là aussi, avec l'échelle. Où je voulais remonter. Du coup, ça doit être ici. Je sens pas du tout ce couloir. Il y a un gros arc, des morceaux de cadavres. Ça sent le passage secret. Genre là, l'épée qui pointe ici, genre ouais, tape là. Pas du tout. Bon. Bonjour. Les hommes barils, non. C'est le moment de faire la danse du feu. Non. Ça passe pas la porte, quel dommage. Boum. Oh oh oh. C'est quand même super stylé la danse du feu, hein. J'ai découvert ça en off, c'était vraiment trop la classe. Bon. Il y a le mec vénère.
Il y a l'homme baril et un autre mec vénère. Est-ce qu'il peut monter à l'échelle? Non. Est-ce que je peux lui lancer des sorts à distance, genre des boules de feu? Oh nice. Tiens. Prends ça dans ta gueule. Ça fait quand même assez mal des boules de feu. Bon, ça en fait un en moins. Bon, on va essayer de te niquer à la lance de foutre. Ah oui, alors si j'ai pas de cloche, il va falloir que je switch entre cloche. Nickel. On essaie de limiter les adversaires. Il en reste encore plein. Merde. Je vais pas être du tout été réactif. C'est pas toi que je veux cibler. Alors, tu vois, il y a un mec devant toi, Alphonse. C'est un peu lui qu'il faut cibler en priorité. Et d'accord. J'ai plus d'endurance, je suis mort. Ok, on va tenter un truc YOLO. Ah, ah non. Non. Elle m'a l'air compliquée, cette salle. Il y a l'air d'avoir beaucoup trop d'ennemis à mon goût. Ça va pas être facile. Bon. Est-ce qu'on va pas YOLO strat? Après ces ennemis, je crois que c'est du 3 hit et on en parle plus. Pas envie de prendre l'échelle. Il y a des barreaux cassés. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que toi, je peux lancer une lance? Ah, mais non, mais il y a l'homme machin là, il y a l'homme baril. Elle est jade. Ah, d'accord, au revoir. Bonjour, au revoir. Est-ce que je peux. Entre les barreaux? Non. Bon, j'ai gâché un sort, c'est très con. Hop. On est reparti avec la danse du feu. On va niquer tout le monde. Ah, pourquoi la porte est encore fermée? C'est chiant. C'est génial. Mais c'est génial! Alors. Toi! Non mais sérieux, la pyromancie ça fait plus mal que. Mes lances de foudre. Après c'est une grande boule de feu, c'est peut-être pour ça quoi. C'est pas une petite boule de feu de pédale! Merde! Non! Je ne fais que passer. Est-ce que j'ai réussi à les poules? Mais c'est quoi qui lance du feu là? C'est ce mob? Ah oh, ce sont ces épaulières qui font lance-flamme. Ah mais y a pas de problème dans ce jeu hein. What the fuck? Hein? Il s'est passé quoi là? Est-ce que c'est un homme baril qui lui a pété à la gueule? Bon. On y va. Ah non, de quartz, de la foudre plus 3, je crois que j'ai vu. Ok, ça c'est fait. On récupère les âmes. Ok, il m'a vu. Ok, il est balèze. Waouh, les épaulières de ouf. Ok, une autre patate et je suis un peu mort. Ah mais bon, ça c'est chiant. Ok, on se heal. Parce que, et y a les autres là-bas, ils veulent nous. Ils nous veulent du mal. Ah! Madame, je dois vous planter une épée dans votre corps. Oui. Tiens, prends ça, démon. Au revoir. Aïe. Encore une âme de Nadalie à descendre. Du coup, j'ai eu un anneau. Anneau de quartz. Améliore la défense de feu. Wow, plus 3. C'est fou, ça. Plus 3, quoi. Bon, les DLC, c'est du loot de qualité, quand même. Bon, toi, t'es relou. Il est relou. Bon. On va se faire un petit soin majeur histoire de pas gâcher notre petite Zestus. Alors.
Petit levier pour la porte. J'aime pas ça. Je vois plein de taches de sang. Voilà. Ah. Putain, l'épée enflammée, l'enculé. Quoi ? C'était quoi son attaque nulle ? Ouais, je tombe par terre parce que je suis une merde. Ça sent le piège quand même. 5 grands fragments de titanie. Une effigie même. 2 titanies. Une racine séchée. C'est quoi ça? Le mec trop surpris. Mais c'est quoi ça? C'est ça? Non. Ça doit être ça. Est-ce que tu as des PV pendant un bon moment? Ça a l'air ouf le loot quand même. Ça pue quand même ici. Hein. Ok, on vient d'ici. C'est qui ça? Oulala. Oulala. Ça lance de la foutre. Ça lance du foutre. Ok, il y a un long couloir. Il y a un ennemi là qui va ressusciter 100%. Quoi? Ressuscite. What the heck? Bon, ce mob n'a l'air de pas rigoler. On va quand même aller lui péter la gueule. Putain, mais j'ai peur qu'il ressuscite dans mon dos et qu'il veut... Il va me le mettre à l'envers, lui, je le sens. Putain, il y a encore des... Quoi? Non! Allez, viens là! Quoi? Mais d'où tu sors, toi? Attention! Putain, mais il sort de n'importe où. Oh là là, mais c'est quoi ce ciblage de merde? Ah, j'ai plus de lance de foot, c'est vrai. Tiens! Tiens! Bla! D'accord. Faut pas que tu bouges en fait. Allez, on y croit. Pas du tout. Bon, j'ai plus de sorts. Sauf des sorts de soins. Essayer de se le faire à la réglo. Oula, j'ai failli tomber dans le vide. Mais il est chiant lui, hein. Laisse-moi tranquille quelque part. T'inquiète, je suis bientôt à toi. Ne t'en fais pas. Mais pourquoi il y a l'autre qui le rejoint, genre hey, coucou, tu veux un bisou? Salut. Et merde, pas mort. Yeah, j'en étais sûr. Mais ils sont combien? Non, j'ai fait une roulade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore, ils sont peut-être pas tous sortis de la cendre. Non. Putain, je vais devoir tout me retaper, ça pue. Faut que je trouve un passage secret. Il y a forcément des trucs. Il y a plein de trucs. Ça sent... Ça sent qu'il y a plein de trucs cachés, tout ça, c'est sûr. Forcément plein de trucs cachés. Bon. Hop. Toi, tu vas descendre. Il est excellent. Je suis pas allé par ici, hein, on est d'accord. Bonjour. Ah merde. Pas de ce côté, c'est quoi ça? Bon, je crois qu'il nous laisse pas le choix. Faut qu'on retourne ici. Ah, c'est dommage, je l'avais défoncé et il fallait qu'il soit 6.
Salut les boys. Ah, le gros respawn à chaque fois. Ah merde. Bon. Non, mais commence pas à dodge mes bouboules. Ah, je l'ai fail. Je suis trop impatient. Merde. Alphonse qui regarde sa main, genre. Ça marche pas. Putain, je fail tous mes sorts. Je suis nul. Ok. Toi, t'es mort. T'es pas mort? Tu te fous pas un peu de ma gueule? Elle a meurt. Juste pour les attirer. Aïe, me suis pris une flèche dans le cul. Je vais lui faire une attaque plongeante. D'accord, grosse attaque plongeante de la part d'Alphonse. Ok, il gogolise, c'est le moment de passer en scred. Lui il est nul. On se le fait à deux mains. Voilà, il était nul lui. 100% en éclat de titanite, c'est bon ça. Bon, on va pas faire les lâches. Il me reste de la danse du feu et je pense que je vais pouvoir niquer la danse du feu. D'accord, pas du tout. Yeah, y a un homme baril en plus. Focus l'homme baril. Pas du tout. Ah, il est vénère. Bon allez, viens là qu'on se la donne en mode réglo. Salut. Ah, j'aime pas tes épaulières, tu sais. D'ailleurs, t'as pas de tête. T'es au courant que t'as pas de tête? Ah, t'as pas le droit d'aller plus loin que la barre, c'est ça? Ah, t'as pas le droit de sortir, hein? Et merde. Wow. C'est tellement dangereux, ce que j'entreprends. Wow. C'est bon, t'es sorti. En fait, t'as pas le droit. Bon, il meurt. Je me suis pris une flèche. Enculé, c'est de ta faute. Bon, toi, Jean-Louis. Quoi? Hein? Mais c'est qui ça, d'où il sort? Mais d'où c'est sorti, toi? T'es le mec à l'arc de l'autre? Hein? Je comprends rien. Ouais, t'es le mec à l'arc, c'est ça? Et t'es venu me casser les couilles quand il y avait l'autre. Tiens, connard. Ça t'apprendra à venir me faire chier. Non, pas lui. C'est pas juste. Non. Mais voilà, lui, il sort d'où, de comment, de pourquoi? Allez, viens, on va se la mettre. Allez, viens. J'ai dit, on va se la mettre. Ah, c'est vrai qu'ils sont hébétés. C'est bien, ça. Moins un. Moins deux. On va jouer safe, Alphonse. Celui-là. Ah mais c'est le même, c'est les frères. Ah mais non, mais c'est chiant. Aïe. Ok, j'ai compris, c'est relou. Ah c'est ça, viens là toi. Merde, je crois qu'il était mort. Non. Oh putain, non. Ah.
Bon, il faut que j'aille, faut que je les rush. Y a pas le choix. Aïe. Hein? Quoi? Alors on a la téléportation, d'accord. Y a pas de problème sans Goku. Il nique sa mère, quoi. Bon. Ah ah. Y a un coffre là-bas, vous le voyez. Il va falloir traverser cette chaîne pour aller la récupérer. C'est l'objectif de l'épisode. Merde! Je pensais qu'on pouvait aller sur le petit bord. Non. Ah, oh, il y a de la fumée, c'est 100% un boss. Ah, je suis trop deg. J'ai pas récupéré mes âmes. Mais non, je fais que de perdre des âmes. C'est pas bon du tout ce que je suis en train de faire. Pas bon, pas bon du tout. Il faut qu'on trouve un checkpoint. C'est pas bon du tout ce que j'entreprends là. Allez, tombe. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui... Ils ont trop des comportements bizarres, les hommes barils. Ils sont codés trop bizarrement. C'est encore moi, les mecs. Salut. Ça va péter. Je crois que j'étais un peu trop près. Oh, merde. Un petit soin majeur, on va complètement snober les mobs ici. Je vais essayer d'aller récupérer mes âmes rapidement. On va juste tuer l'autre là qui nous attend près de l'échelle parce que lui il est chiant. Après le reste ça devrait aller, mais lui est chiant. Ok, 4 boules de feu. Et puis s'en vont. Salut l'homme baril. Non, j'ai pas de hache. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas de hache? Oh là là. Oh, le jeu. Oh là là. Oh, squalala, les hommes barils, ils ont fait le café. What the fuck. Ah, je crois que je suis spotted. Mais d'où tu sors maintenant? Qu'est-ce que... Tiens, prends ça dans ta gueule. D'accord, ça te fait rien. Mais pourquoi tu sors maintenant? Je comprends rien, jeu. Tout à l'heure, il voulait pas dépasser la ligne, et maintenant, il vient me chercher, quoi. Je suis sûr, il est vénère, c'est parce que l'homme barré lui a pété à la gueule, du coup, il se dit, ouais, j'en ai marre, même plus je respecte le script. Hé, hey, connard. C'est moi. Ah, bah ça, c'était la porte, lol. C'est moi, coucou. Tu connais le coup critique? C'est un truc plutôt sympa. Bon, allez. Essayons de choper un raccourci dans le coin. Essayons de pas se fail. Là on sait qu'il y a des mecs relous. Je suis pas rassuré. Et ouais, je sais qu'il y a toi aussi. Non ! Aïe ! Allez, 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 Alphonse, c'est pas le moment. Il est midlife, tout va bien. On attend la petite bouboule d'électricité. Ok. Mais c'est pas vrai. Bon, toi, tu nous fais chier. Et ça barre ta gueule. Ouais, l'autre, il est là. L'autre, il se TP, hein. Faut faire attention. Parce que l'autre, c'est Sangoku. Allez, viens là, toi.
Ok, cool. Bon, lui, c'est un loubard. Ok, parfait. On récupère ça. On va essayer de descendre. Je suis à 17 000 âmes. Cool. Moins cool. Je me suis fait repérer. C'est pas très gentil en fait. Comment je suis censé? Viens là, toi. Pierre brute, super inutile. Bon, je vais pas passer sur la chaîne tant qu'il y a encore des archers dans le coin. Sinon, c'est la mort assurée. On va s'estus et on va se les faire un par un, ces enculés. Tiens! Mais ça marche pas! Je suis pas assez prêt. Tiens! Je crois que ça le met. Genre à un mètre devant l'attaque en fait. Et faut anticiper que le fait que les adversaires vont venir me rush quand je veux lancer cette attaque, je crois. Ou alors faut que je sois encore plus près. Et merde. Coup critique. Même pas. Putain, des fois deux coups ça suffit, des fois ça suffit pas, c'est chiant. Du coup je déloque comme un teubé. Allez viens là toi. Y'a l'autre, il est toujours là, le lanceur de sort. Nickel. Quoi? C'est quoi ça? Mais d'où tu sors? Qui sont ces gens qui sortent du mur? Toi tu meurs. Bon, on va jouer safe, on va se remettre tout le temps full life parce que là, et les gens ils sortent du mur de cendre. Et merci pour l'info, Bakra, comme quoi c'est de la cendre et pas du givre ou de la glace. Grande âme des héros, ça donne beaucoup. Plutôt cool. Ok, on a fait le ménage. On a 22 000 âmes. Des fois, il y a des items dans ces trucs-là, donc... C'est tellement la mort inutile. Mais non, mais je méritais pas de mourir sur ça. Non, c'est dégueulasse. Ah, ça, c'est le genre de mort qui me saoule trop. Fais chier. Mais non. J'aurais pas dû mourir là-dessus. Putain, mes roulades, elles sont trop OP. J'ai perdu 23 000 âmes, fais chier. C'est tellement la mauvaise strat d'y aller alors qu'il y a les deux bolos. Il faut vraiment les tuer à la boule de feu. Sinon ça passe pas. Ça passe pas. Mais bon, là, vu qu'on a perdu toutes nos âmes, on va leur tenter. Jusqu'à ce que ça passe, puisque voilà, on est des loupards. On a plus rien à perdre en ce fois-là. Tout ce qu'on veut maintenant, c'est progresser. Tant pis si on récupère pas d'âme. Ça passe, ça passe, ça passe. C'est bon. Salut. J'ai pas envie de t'affronter. On va rusher. Bonjour.
J'ai l'impression qu'ils sont tous vénères contre moi là. Pourquoi ils viennent à deux? Restez dans votre coin, bordel! Ok, on va aller récupérer ce qu'il y a dans le coffre en face. Pas de troll, pas de troll, pas de dragon, je ne sais quoi. Tiens, d'ailleurs, bah, je parlais avec Genjo et lui, il a la version scolaire. Et je pensais pas que la version scolaire, il y a autant de changements. Je pensais que la version scolaire, c'était le jeu plus les 3 DLC. Oh shit. Et du coup, il me disait que dans la tour des cendres de Hyde, il y a un dragon, lui, dans sa version. Je me disais, mais c'est des conneries et tout, j'en ai jamais vu. En fait, il y en a vraiment. Hein. Et j'étais un peu triste. Je trouve ça un peu débile qu'il y ait une version spéciale où il rajoute des mobs et de la difficulté. D'où tu sors, toi, fils de pute? Elle était cachée, j'y crois pas. Waouh, il prend que dalle. Ah, d'accord. Ah, il fait un peu mal quand même. Un peu mal. Malandron! L'assassin. Et merde. Bois, 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 bois. Bouclier, bouclier, bouclier. Cool. Il fait quoi? Hé! Hey! Hé! Hey! Non! Fils de pute de lâche! M'en fous, j'ai le coffre. Putain, j'aurais dû le finir si j'aurais su. Espèce de lâche de malandron! 2 à 7 de feu. Du coup, comment vais-je en bas? Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques à péter? Est-ce qu'il faut un anneau spécial? Yeah! Non! Mais non! Mais non, mais c'est dégueulasse, quoi. Je... What the fuck, ça a l'air encore super grand. Il y a un coffre. Il faut zioter vite, vite, vite. Ok, j'ai repéré un coffre et j'ai récupéré un escalier super long. Et on se fait pétrifier si on va dans le noir, j'ai l'impression. Alors, je pense pas que ce soit les mobs qui pétrifient. Je pense pas que ce soit une aura de mob. J'ai plus l'impression que si c'est, on est dans l'obscurité. Donc apparemment, peut-être qu'il faudra un anneau. Pour éviter ça. Salut. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on se soigne. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On court, on court, on court. Bon, l'autre enculé, s'il revient m'affronter, cette fois je le défonce et je laisse pas s'échapper. Ou alors, est-ce qu'on tente d'aller dans la brume avant? Salut. 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 Aïe. Mip, mip. Salut, bande de naze. Ah, il a loot. Génial, je m'en bats les couilles. On tente la fumée. Allez, on tente la fumée. Dis-moi que c'est un raccourci. Cool. C'est où ça? Dis-moi qu'il y a un feu dans le coin. Aucune idée. Ça a l'air quand même super big cette zone, hein. L'air d'avoir de l'eau en bas. Une porte. Un mécanisme. Pas de sceptre en fer brûlant dans l'inventaire. D'accord, donc il faut récupérer un item. Ça sent la porte piégée. Tant mieux. C'est verrouillé? Bah tant mieux, parce que ça sentait la porte piégée à plein nez. Oh, un feu! Cool. Ouais, même pas, je peux les mettre en level vu que je meurs tout le temps. Par ici, des items, deux pierres magiques, des barreaux, des hommes barils en bas, des chaînes de prisonniers, je dirais. On
va continuer quand même là où il y avait... Est-ce qu'on va retourner là où il y avait le fantôme qui m'a attaqué? Il y a tellement d'endroits. J'ai tellement loupé d'endroits en haut, c'est sûr. Mais pas de spoiler, hein, pas de spoiler dans les commentaires. Je vais faire la zone. Je vais essayer de la faire à 100%. Donc, c'est si vraiment à la toute fin j'ai oublié des trucs, vous pourrez me spoiler. Mais pour le moment, pas de spoiler, s'il vous plaît. Là, c'est d'où je viens. Je vais récupérer l'item quand même. Anneau de quartz de sort plus 3. Meilleur la défense magique plus 3. Intéressant. Bon. Salut. On va essayer de passer sur la chaîne pendant qu'il y a encore l'archer en vie en espérant qu'il ne m'ait pas spotted. Même si je crois que c'est un peu mort. Bon, en espérant que ce soit pas un sniper. On y est, on y est. Ok, il y a l'autre enculé. Mais alors toi, mon gars. Aïe! Je bois. Mais c'est pas vrai! Mais il se fout de ma gueule! Mais il est même pas... Alors, attendez. Si je longe les murs. Là, on est dans les darkness. Là. Je me fais trop pétrifier. C'est chiant. Non, je me fais pétrifier ou me dire c'est maudire, ça. Hein. Ce symbole, c'est la malédiction. Putain! Mais arrêtez! D'ailleurs, j'ai récupéré cet anneau-là dans la zone des pirates, je crois. J'ai rien contre la malédiction. Merde alors. Bon. Ah, j'ai peut-être une idée. Est-ce qu'une torche, ça peut le faire ? On va voir ça. Allume-moi une torche. Ça marche pas. Merde. Ça fait un peu mal quand même. Je vais être... Non. J'ai pas envie d'être maudit. Bon. On laisse tomber cet endroit pour le moment. On laisse tomber pour le moment cet endroit. Pourquoi il y a plein d'objets par terre là? Putain! Il y a l'autre en haut là. C'est bon, il m'attaque pas. Moi aussi, je suis tombé un jour ici. Je sais ce que ça fait. Il y en a un autre ou pas? Ça a pas l'air. On va retourner au feu et on va progresser dans ce dans cette tour. Tagada, tagada, voilà le Alphonse. Tagada, tagada, voilà le Alphonse. Il est là-bas, le feu. Alors, là, il nous faut un sceptre. Là, la porte est verrouillée.
Pourquoi? J'ai fait quoi encore? Qu'est-ce que j'ai fait de méchant? Qu'ai-je fait que le jeu qui veut pas que je sauvegarde? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi qu'il veut pas? Ah, mais je suis sûr, c'est parce qu'il y a l'autre con de mec en rouge qui m'a invade. J'ai pas un objet pour qu'il rentre dans sa zone ou je sais pas quoi là? Bannis les fantômes. Ça marche pas. Preuve de victime. Mais non, je voulais pas utiliser ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je fais n'importe quoi, c'est formidable. C'est pas grave. Vous allez m'insulter dans les commentaires, mais pourquoi t'as fait ça dans le vent? C'était super. Ah, l'esprit sombre de Maldron l'assassin est retourné dans son monde. Alors, c'est... soit c'est l'item que j'ai fait, mais je pense pas. Soit c'est parce que je me suis trop éloigné de lui. Et je pense que c'est plus cette option-là. Bon, allez, on continue. Maldron l'assassin. Il dégage. Et on ira se le faire plus tard, cet enfoiré de merde. Alors. Oh. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de tirer ça. Allez là! On a fait un strike! Ah, t'es dans les pics! Haha! C'est quoi ça? Ça avait l'air complètement cheaté son attaque là. Pas ça choquerait non quoi. Oh là là, ça sort des murs. Bah bien sûr. Bah écoute hein. Et moi je peux en placer une ou comment ça se passe, enculé? Non, parce que déjà tu sors du mur, mais alors en plus si tu fais le fanfaron. Ah ils sont deux. Oh, bon. Eh oh. Bon bah on va ouvrir toutes les grilles hein. Je sais pas quoi ça sert mais on va le faire. Là il y a un gros bonhomme. Ah c'est des checkpoints en fait. C'est des checkpoints. C'est un peu... Ouais c'est un peu de la... La session un peu plateforme skill, là, je dirais. Fais gaffe parce qu'il y a le géant. Ah, m'a pris pour un jambon, toi. Je la connais cette attaque. On croirait trop un passage secret. J'avoue, on croirait trop un passage secret. C'est pas possible, c'est 100% un passage secret, ils le disent même par terre. Putain de merde. On croirait trop un passage secret.
Tiens, un démon! Je suis sans défense, regarde. Hop! Aïe. Merde, il me follow. Putain, des polyères à la con. Et putain, je vois rien avec la caméra dans ce jeu. Oh bah bien sûr. Je vais mourir. On va se re-heal. Je vais mourir. Non. C'est bon. Bon, on le finit. Il s'est pris les pics en plus, nickel. Comme ça, on va pouvoir ouvrir la grille. Et comme ça, la prochaine fois, on n'aura pas à se taper tout ça. C'est bon, Nadie. On a libéré tous les checkpoints. Alors, on atterrit. Ouf, oh là là, oula, ça sent, oh, ça sent le boss, hein. Oh là là. Et ça, ça met nous. Échelle. Racine séchée. Un raccourci. Oui, c'est un bon raccourci en plus. Oh là là, ça sent le boss à 500 km là. Le boss qui va donner le sceptre, j'imagine. Soit le sceptre, soit un truc pour essayer de passer dans la malédiction. Bon, et ben, allons-y! Ça sent le boss 100% feu quand même. Ça sent le boss fourneau. T'es prêt, Alphonse? On va lui décapiter la gueule à cet enculé! Et là, c'est même pas du tout un boss, mais bon. Je sens le boss quand même. Pas du tout, d'accord. À moins que... C'est quoi ça? Bande de nuls. Aïe. C'est quoi ces gros lards? Tue-le vite. Non. Il m'a pété à la gueule. Putain de merde! Qu'est-ce que c'est que ces gros lards qui explosent? Qu'est-ce que c'est que ces gros lards? Suicide Squad. Ah, c'est pas possible, quoi. Bah, ouais, limite, je suis même pas... Ouais, pas besoin de prendre l'échelle la prochaine fois. Il y aura pas de prochaine fois, je vais pas mourir. Maintenant, on sait que c'est pas un boss. Moi, j'étais prêt... Je m'étais préparé mentalement pour un boss, là. C'est pas sympa de me faire ça. Qu'est-ce que j'aime pas marcher sur des espèces de chaînes comme ça. C'est le DLC sans boss. Ok, donc lui, on va se le faire à la lance de foutre. On va tester la boule de feu, mais... Si, je pense... Ouais, ça lui fait que dalle. Oh, il est vénère. Merde, je l'ai mis en feu. J'aurais pas dû, en fait. J'aurais pas dû lancer du feu. C'est bien. Le fait de le tuer avant, il explose pas. Ah là là. On va pas prendre de risques.
Oh, les gros coups, ils aiment pas ça, par contre. Ok. Nickel. Ça, c'est quoi? Ça a l'air d'être de l'huile. C'est enflammé à 100%. On va rester loin de ça. C'est du pétrole. Viens là. Nice. Ha ha. Je t'ai niqué. Il a l'air d'être vénère quand même. Ya. Merde. Putain, ils font mal. C'est pas possible. Oh là là. Non. Un os de dragon pétrifié. Aller en bas pour le moment. On n'a pas été... Rachel Vivlame. Mais qui est-ce que ça? Mais d'où sort-elle? Rachel! Where are you, Rachel? Rachel? Idée d'où elle est. Bonjour gros. Non, même pas, tu me sautes dessus, même pas en rien. Ok, Rachel est là. Ah d'accord. Rachel, on t'a déjà dit que c'était relou de faire des attaques super fortes. Critique arraché. Ouais, dans sa gueule. Allez. Alphonse. Alphonse. Sois. Merci. Merci Alphonse. Putain, j'ai cru qu'il allait jamais le faire. On a niqué Rachel. Formidable. Par contre, j'aime pas du tout les genres d'endroits où il y a 50 millions de portes. Ok. Ça sent les porte-pièges. Hop! Hop! Ça me fait peur, j'entends des bruits bizarres. Des items. Alors toi! Mais même pas en rêve. Bande de pédés. Souvenir, souvenir. Oh là là, cette attaque qui te défonce ta barre de vie. Mais c'est dégueulasse, quoi! T'as pas le temps de réagir quand il te fait ça! Je pensais que c'était l'attaque ultimatum qui te sortait dès que t'es plus beaucoup de vie. Ok, il y a un type là. Il y en a deux. «
Mais elles font pas de dégâts mes lances de foutre. C'est chiant. Allez, du nerf. Voilà, moins un. Tant mieux. Bonjour. Mais où suis-je? Bon, du coup, ça c'est la porte complémentaire, ça c'est. Ah d'accord. Alors, il a explosé son pote. Et son pote est en feu maintenant. C'était pas dans mon contrat. Non, 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 non. Même pas en rêve, tu me pètes à la gueule. Et du coup, une échelle. Ouais, ça sent trop le boss, ça, putain. J'ai pas envie, j'ai 24 000 âmes, fais chier. Y'a pas de checkpoint avant? Ok, donc c'est pas un boss, mais ça, apparemment c'est le sceptre. Ils sont tous devant le sceptre en mode... C'est la secte du sceptre. Putain, ça va être compliqué cette scène. Hein. On va tous les mettre en feu. C'est la danse du feu. C'est de la merde ce soir. Oh, il pète. Non. Tout ce qu'ils veulent, c'est être... à mes côtés pour exploser. On a juste à leur coller à la gueule et à reculer en fait. Bon, en fait le si on les met en feu, ils vont faire que ce pattern là. On va essayer de nous rush au corps à corps et faire ce pattern là. Le sceptre. Ok, donc du coup, il n'y a plus de feu. Merde. Je suis à toi dans 2 secondes. Quoi? Et pourquoi t'as fait ça? Ne rush pas. J'ai 32 000 âmes, je vais pouvoir peut-être les banques, ce serait formidable. La 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 la. Un levier. J'adore les leviers. Levier, ça veut dire ascenseur. Ascenseur, ça veut dire... rapidement revenir à un checkpoint. J'en étais sûr. Va te faire foutre. Je sais pas pourquoi je le sentais qu'il allait avoir un mob. Pour ça j'ai shield up.
Ah, on a tiré sur ces caisses, d'accord. Bon, on a récupéré le sceptre. Il n'y avait pas du tout de boss, c'était juste pour récupérer le sceptre. On va aller doucement pour éviter de pas perdre nos âmes. Oui, on va pouvoir level up. C'est compliqué de banquer des âmes dans des zones qu'on ne connaît point. Allons à Marcoula. Putain, ça fait déjà une heure, mais on va pouvoir terminer l'épisode là-dessus en plus. Waouh, j'ai l'impression de pas avoir beaucoup avancé. Je me suis fait quand même pas mal péter la gueule, hein. C'est vrai que le DLC est quand même assez dur. Le fait qu'il y ait beaucoup d'ennemis assez rapprochés, c'est relou. Alors, 25, 20, 15, 20, 30, 20, 35. On va augmenter un peu. Non. Non, je vais augmenter ma vita à 30. J'ai l'impression d'être une putain de chips. Même avec l'armure. On va juste faire un petit détour au beffroi du soleil parce que Bakra m'a dit que j'ai oublié quelque chose. Un espadon dans un passage secret. Du coup, on va y retourner et aller choper cet espadon. D'ailleurs, ici, il va falloir qu'on y retourne puisque... Puisque... Voilà, d'ailleurs, il y a une échelle en haut. De toute façon, il y a un passage en hauteur, je me souviens. Salut. Fais chier, je puisse pas te mettre de critique. Salut les nains. Putain, mais j'y crois pas à l'autre enfoiré là. Je sais pas à quoi ça sert. Jamais compris à quoi ça servait de faire sonner les cloches. Non, c'est pas grave. Ah, mais l'autre enfoiré de PNJ qui se barre dans les tréfonds. Il avait envie que je me fasse me dire. D'ailleurs, il reste plus que les nains, les deux mecs là, celui qui avait la triple arbalète et l'autre qui avait l'espadon. Eh bien, ils sont plus là. Bon, alors, il y a des passages secrets par là. Alors. Non. Ah. On va faire le tour, ça se trouve il y a un passage dans le passage. Mais bon, ça me semble déjà bien d'avoir deux butins. Alors, espadon du chevalier noir. La cloche protectrice et le grand bouclier de l'arbre aux esprits. Ça c'est bien, je crois que c'est un bouclier anti-foudre. Anti-foudre et qui restaure la vigueur, non? Si je dis pas de bêtises. La résistance à la foudre est à 80. Sinon, on a eu une cloche et un espadon de chevalier noir. Ah, mais niveau dexté, c'est pas fou.
Genre, elle a des stats de foi et de feu. Espadon porté par les chevaliers au service d'un seigneur à la lumière appartenant à un. Ça ressemble à quoi? Oh, stylé. Et donc la cloche, ça c'est force, et ça c'est la cloche protectrice. 25. Ouais, comme la cloche de l'idole. Ouais, c'est pour les maléfices. Pas intéressant. Bon, et bah c'est cool. Ouais, j'ai failli tomber dans le trou. Ça aurait été une catastrophe. Avant de terminer l'épisode, on va aller voir notre ami Cellule de Stride. Par contre, il y a v'là les mobs, je crois, juste avant Stride. Il y a plein de mobs relous qui te pètent à la gueule, donc... Essayer de se les faire. Non. Ok, je crois que c'est bon. Alors, toi. On peut y acheter des trucs, des sorts. Je sais pas si ça vaut le coup. Flamme persistante. Boule de feu statique qui explose quand les ennemis s'en approchent. Ouais. Elle génère de grandes flammes qui enveloppent les adversaires lointains. Bof. Mais c'est négocié que là ça devient intéressant. On a la lame cintrée de Mita qui est dextérité. L'épée du fondeur, ça pourrait être super intéressant. L'âme du démon fondeur. Fait des dégâts de feu, bien entendu. L'ultra espadon du poursuivant, bref, ça demande beaucoup de dexté, c'est chiant. Par contre, c'est pas mal ça. Le bonus d'attribut B, c'est pas mal. L'épée tordue. L'épée arquée. Là, géant en pierre. Ça, c'est génial. Même si c'est D, ça doit envoyer du steak quand même. La massue dentelée. Fourche de gargouilles qui sont A en force quand même. L'âge du monde dragon. Des boucliers de ouf. Un arc. En os du démon convoiteux, je sais pas trop quoi prendre. Il est pas très content quand on lui parle et qu'on lui achète rien, mais c'est pas grave. Bon, et bien dans le prochain épisode, on va continuer cette zone, la zone du DLC, en espérant voir un boss. Puisque là, il y a... je suis surpris d'ailleurs qu'il n'y ait déjà pas de boss. Puis on va essayer juste. On va juste terminer en mettant le sceptre ici pour voir s'il se passe des choses. Ça va faire tout brûler, j'imagine. Squadala! Ah. On a mis les plateformes en marche. Oh!
D'accord, on a débloqué des ascenseurs. Ça veut dire qu'il y a encore plein d'endroits à visiter. Mais on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu. Et je vous dis, portez-vous bien. Salut tout le monde!